Les sucres rapides ou lents, donc appelés aussi glucides simples ou glucides complexes, doivent représenter 50 à 55% de notre apport calorique quotidien, dont moins d'un tiers doivent être représentés par les glucides simples qu'on va trouver dans les fruits, dans les produits sucrés, dans la confiture, dans le miel. Donc on va limiter cet apport en sucre parce que tout apport supplémentaire va se stocker dans les cellules graisseuses qui sont les adipocytes. Donc j'irai dans un rééquilibrage alimentaire, quand on cherche à perdre du poids, on limite à 2-3 portions de fruits par jour et pas plus de 2 produits laitiers. Ça va permettre de couvrir bien nos besoins en sucre sans prise de poids. Pour les sucres rapides qu'on trouve dans les fruits, donc les fruits qui sont composés essentiellement de glucides simples, il vaut mieux les consommer en première partie de la journée, là où ils sont moins stockés. Alors pour déterminer une portion de fruits par exemple, dites-vous que une portion de fruits doit tenir dans la paume de votre main. Donc par exemple une pomme, ça vous fait deux clémentines, ça peut être aussi une poignée de fruits oléagineux comme des amandes. Pour la portion de produits laitiers, c'est très simple, ça correspond à un petit pot de yaourt ou de fromage blanc.